appelé hospitalisé dans un état son cancer progresse dangereusement. Depuis plusieurs années, l'état de santé d'Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé, inquiète ses proches et ses fans. Hospitalisé à maintes reprises, et un brin affaibli. La légende du football a toujours montré sa capacité à récupérer, déjouant au passage les pires statistiques médicaux. Mais depuis le 29 novembre dernier, l'octogénaire ne manque pas de susciter l'inquiétude. En cause, une nouvelle hospitalisation destinée à réévaluer son traitement de chimiothérapie après la détection d'une tumeur du côlon en 2021. Si Kelly Nascimento, sa fille, s'est voulue rassurante en assurant qu'il n'y a ni surprise ni urgence, l'équipe médicale de Pelé, elle, ne semble plus de cet avis. Ce mercredi 21 décembre, l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, dans lequel est soigné l'ex-footballeur, a fait part d'une nouvelle particulièrement alarmante. C'est une information qui inquiète les fans de football. Selon les dires des équipes médicales de l'établissement dans lequel est hospitalisé Pelé, le triple champion du monde est actuellement dans un état critique. D'après le site portugais Abola, la star du ballon rond passera d'ailleurs les fêtes de Noël dans l'établissement de santé. Hospitalisé le 29 novembre pour l'évaluation d'un traitement de chimiothérapie pour une tumeur du côlon et le traitement d'une infection respiratoire, Edson Arantes do Nascimento présente une progression de son cancer et nécessite une plus grande prise en charge liée à des dysfonctionnements rénaux et cardiaques, ont indiqué les professionnels qui entourent Pelé. Une nouvelle qui ne manquera pas de faire réagir Kylian Mbappé, Neymar, Harry Kane et tant d'autres, qui ont tous été inspirés par le talent de la légende du football.